c'est une très très vieille maison, elle est sympa, c'est un bon achat, mais par contre, bon, c'est, y a du boulot, quoi. Donc, voilà. Tu vas pas trop t'aventurer là, hein. Moi je vais rester là. Là c'est bon, c'est ok, je ne ressens absolument rien. Par contre là je suis oppressé, donc je pense qu'il y a, quelque chose ici. C'est, il n'y a pas que le fait d'être monté, hein. Ça coince, mais là je le sens bien là. Donc je pense qu'il y a, quelque chose de... Il y en a peut-être deux ou trois. Alors, y a-t-il des entités au grenier ? Voilà, ça tourne très facilement. Y a-t-il plus de deux entités au grenier ? Y a-t-il deux entités ? Donc, tu vois, quand le pendule, en fait, reste coincé, y a-t-il deux entités au grenier ? Voilà. On va poser quelques petites questions. Ces entités sont-elles là depuis plus de deux jours? Donc, je vais m'adresser à lui. À toi, entité qui est ici, tu n'appartiens plus au monde terrestre. Allez, monte, monte, les guides t'attendent. Monte, monte, encore, encore et encore. Donc, après, je fais amen, un petit signe de croix pour l'accompagner. Maintenant, on va vérifier, parce que je suis obligé de vérifier au pendule, parce que des fois... comme là, j'ai pas de contact télépathique avec ce type d'entité, parce que c'est pas des entités, c'est pas des esprits en fait qui sont accrochés et qui sont là pour nous embêter. Ils sont juste de passage. Donc j'ai pas eu de ressenti de danger de quoi que ce soit. Donc on va juste faire une petite vérification pour savoir s'ils ont quitté le plan terrestre. Alors, les entités présentes dans cette pièce ont-elles définitivement quitté le plan terrestre ? Voilà, la giration est franche, ça veut dire que là, elles sont bien parties. On est tranquille. Donc là, pour ici, c'est terminé.